Maybe go in a delight of the nice lucky door. Set you for your knees and behind a fish score. Set the ball a door when you wine watch it goal. Girl, you are me queen and me wife and me whore. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau weekly vlog avec ma tête comme ça là. Bon, on va aller se coiffer. J'ai juste fait les séparations comme ça. On va monter en haut, on va se coiffer tout de suite et on va commencer notre semaine. Voilà. Et en plus, il faut que je vous parle un petit peu, enfin vite fait. En gros, c'est pour vous parler sur l'organisation des weekly vlogs et tout. Et là, je vais mettre ma vie part que je vous ai teasée toute la semaine dernière sur Insta. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez. J'ai toujours mes gouttières, donc si je zozote, ne faites pas gaffe. Hop. Je prends mon miroir. Je me mets juste ici parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de me préparer. J'ai mes produits, tu vois, genre. Voilà. Mon miroir. Et je vais mettre ma vie part. On va goûter vite fait, juste je me prépare pour la journée aujourd'hui. Journée, je dois aller faire des achats. Je dois acheter tout ce qu'il faut pour faire mon lit. Je me suis c'est bon arrêté sur ce que je vais faire. Les pieds, je change les pieds. Enfin, bref, vous allez voir. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo sur mon lit et ma chambre ou si je vais l'inclure dans ce vlog là. I don't know. Et au moment où vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà en fonction du titre, etc. Donc, du coup, là ce que je vais faire rapidement, c'est une vie part. Donc, c'est juste des grosses nattes collées. J'ai déjà fait ma séparation, que j'avais. En fait, c'est juste que là, je suis comme ça, ça fait quoi, 2 semaines peut-être. Et c'est juste que mes nattes, elles commençaient à ressembler à rien, parce que je les avais faites à la va-vite. En fait, c'est une vidéo que j'avais déjà essayé de filmer. Je me suis dit que j'allais faire une face cam et tout, voilà. Mais franchement, les vidéos cheveux, je ne peux plus. Donc je me suis dit, là, je vais intégrer ça dans un vlog. Non, les vidéos cheveux, je peux plus. De toute façon, je pense que vous le voyez, ça fait des années que j'ai pas fait une vidéo perruque. Parce que ben déjà j'en mets plus tout simplement. Ou alors sur TikTok, tu vois, sur TikTok je me vois bien faire ça, ça peut être bien. Ce contenu là sur TikTok, je trouve qu'il est important, mais sur YouTube je ne peux plus. Donc j'avais essayé de filmer cette vidéo, du coup je vais vous intégrer des images de quand je l'ai reçue, à quoi elle ressemble. Elle est plus kinky que là, vous allez voir, parce que là je l'ai déjà lissée en fait. Je l'ai lissée parce que ça matche encore mieux mes cheveux. Mes cheveux sont pas si épais que ça. Ils sont un peu fins. Du coup là je l'ai lissée, ça matche trop bien. Mais c'est vrai que quand vous la recevez, elle va être un peu plus épaisse. Quoi d'autre? J'ai teint mes cheveux également. J'ai teint mes cheveux. J'ai filmé le process sur TikTok d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ça vous intéresse de voir ça. Et je suis trop contente parce que depuis le temps, je crois que j'en avais même déjà parlé à vous. Mes cheveux ils sont pas assez noirs. Et c'était vraiment un truc qui me gênait. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps parce que. This is a game. What? This is a game changer. Like. Là je suis trop saucée. Du coup qu'est-ce que j'étais? Ouais, que je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour colorer mes cheveux en noir. C'est vraiment trop. Ça change tout. En fait ça fait un effet de tissage. Mais en même temps vous pouvez l'enlever, faire vos soins dans vos cheveux. Et moi je sais que mes cheveux ils adorent les nattes collées. Donc laisser en nattes collées par exemple 2 semaines, enlever, faire un soin, remède, enlever, faire un soin, trop bien. Et j'ai reçu aussi un 3e paquet, j'ai reçu des mèches. En fait, je pense que c'est un peu la même texture que ça, mais en mèche pour faire un tissage. Alors là, c'est doux. Donc voilà pour l'histoire de cette vie part. Évidemment, vous connaissez, vous aurez le lien en barre de description et tout. Si je me rappelle bien, elle est archi abordable. Et en plus, je crois que vous pouvez payer en plusieurs fois. Avec PayPal, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Moi, je vais juste finir en fap les tresses et ensuite je vous montre l'installation, mais c'est tellement rapide, vous allez voir. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping, was okay, so what? Someone hits a block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's the number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Donc, voici notre baby. Qui là, à l'heure actuelle ne ressemble pas à grand chose. Mais ce qui est bien, c'est que là, voilà, vous avez une vraie démo de quelque chose que j'ai porté pour de vrai.
plein de jours et plein de fois. Et donc, je vous assure que les mèches, elles sont incroyables. Vous n'avez aucune perte, rien. Bref, incroyable. Ça va vraiment devenir mon incontournable, tu vois. Genre, dès le moment où je ne saurais pas quoi faire. Donc, en gros, vous avez 4 pinces de là, tout simplement. Donc, moi, j'en mets une ici. Vous voyez, là, à ce niveau-là. Voilà, l'autre juste derrière. Hop, donc voilà, on regarde si derrière on est bien sécure. Et on est bien sécure. Tellement perfect. Donc, je vais refaire juste des petites boucles dedans. Pour que vous voyez à quel point les mèches sont belles, pour leur rendre bien justice. Et c'est vraiment kinky. Mais en même temps, quand vous lissez, ça lisse. Après, ce sera pas en mode lisse comme du lisse, mais en même temps, c'est pas le look qu'on cherche. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas du tout ce que je cherche. Parce que j'aime. C'est pas que j'aime pas, c'est beau. Mais pour moi, ça, c'est beau qu'en perruque, c'est pas beau en tissage. Parce que vos vrais cheveux, si vous êtes naturel, si vous n'êtes pas défrisé, ça va jamais matcher et ça va tenir quoi? Un jour? Ça vaut pas le coup, tu vois. Alors que moi, je trouve que ça, ça fait mieux. En fait, ça fait mieux parce qu'en vrai de vrai, si demain mes cheveux ils poussaient à cette longueur et que je faisais un blowout et que je les lissais, ils ressembleraient à ça. Voilà, ils ressembleraient pas à des cheveux lisses, tout simplement. Donc, on est bon. Est-ce que je fais mes boucles avant? Non, je vais faire mes boucles après. D'abord, on va commencer par ça. Là, je vais mettre de... Comment on appelle ça? Je vais mettre tout ce qui est protecteur de chaleur, bien évidemment. Je vous réserve ça pour la vidéo sur le sujet. Mais bien évidemment, vous lissez pas vos cheveux sans protecteur de chaleur, s'il vous plaît. Please. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu de gel et de laque, juste pour que mes paupières, vous voyez, ils soient juste bien en arrière et tout machin. Voilà, comme ça et comme ça. Pendant ce temps-là, je peux faire mes boucles. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping, was okay, so what? Someone hits a block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's the number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Voilà. J'ai fait juste un tout petit peu les boucles. Hop, même pas trop parce que sinon ça va pas tenir très longtemps cette histoire. Que dire? Que dire? Je ne dirais pas que j'ai un tissage là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors que j'ai 4 tresses sur la tête. Non, c'est grave. Incroyable, incroyable. Les mèches sont incroyables. Ça match parfaitement. En fait, moi, c'est ça qui me... Très contente. Donc voilà. De vous, vous montrer ça enfin parce que depuis le temps là c'était du harcèlement, mais moi j'abuse aussi, mais je voulais absolument tester avant, tu vois, être sûr que c'était dû, et c'était dû. Voilà, vous aurez le lien en bas de la description. Nous on continue, on va où là tout de suite? On va d'abord où? Faut d'abord que je passe au bureau prendre des mesures. Ouais, je passe d'abord au bureau prendre des mesures. Donc voilà, on est coiffé. Donc voilà, on est parti, on va au bureau. Let's go. Tous les jours, je trouve des nouveaux endroits où vous mettre. Parce que j'ai la flemme de vous mettre sur un trépied surtout. C'est surtout ça la raison. Donc, je vais m'abuser aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on ait le choix avec le froid qui fait. Les clés du bureau, donc rien. Je vais boire de l'eau avant de partir parce que j'ai soif et ne pas manger grand chose avec ça. Ça y est, c'est l'inconvénient et l'avantage. À la
première fois, c'est un inconvénient parce que ben, tu peux pas manger. Parce que tu peux pas manger, mais tu dois à chaque fois les enlever et tout. Et qui a la force de faire ça en fait? Donc en même temps, ça va me faire perdre des kilos. Non, ça m'évite de grignoter. Tu vois, si je suis quelque part et que j'ai envie de grignoter, le fait qu'il faut les enlever, c'est pas très. C'est que si, d'enlever ça. On dirait que t'enlèves ton dentier. Donc, ça m'évite de manger. À des heures où je veux pas manger, tu vois. C'est cool. Là, j'en suis à la deuxième gouttière. Troisième? J'en suis à la deuxième. Vous voulez savoir c'est quoi le problème? C'est que j'ai perdu la troisième et la quatrième. Ça veut dire que je vais devoir passer de 2 à 5. Je ne sais pas si c'est bien, mais j'ai pas le choix. Quel sac je prends? J'ai mes Converse. Pourquoi vous m'avez pas dit que c'était trop bien les Converse? Je crois que la dernière fois que j'ai eu des Converse, j'avais peut-être 15 ans, je sais pas. Elles sont vraiment trop cute. Je vous mettrai. Et qu'est-ce que c'est? Je mettrai le lien en barre de description de ce modèle-là en particulier, avec cette semelle-là. Parce que, en fait, il y en a une autre avec la semelle, elle est trop grosse, et une avec la semelle, elle est trop fine. Donc là, c'est vraiment le parfait modèle, je trouve. Elles sont trop bien. Qui aurait cru que moi, Ashley, je les mets tout le temps, franchement. Je les mets plus que mes Uggs en fait, en ce moment, je trouve. Les Uggs, en fait, les Uggs c'est bien, mais je sais pas. Ça m'a un petit peu saoulé là, à vous mentir. Alors, je voulais vous parler. J'attends d'être un petit peu présentable. Parce que tout à l'heure, ce n'était absolument point le cas. Donc, je vais vous parler du fait qu'il n'y a pas eu de Wikivlog la semaine dernière et qu'il y a eu plutôt une face cam. Donc une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai sur le petit i. Mais une vidéo plutôt chouette qui vous a plu. Donc je suis trop contente. Et qui est effectivement sortie donc un dimanche, comme vous avez pu le voir. Donc sur Insta, je l'ai expliqué. Mais pas ici, alors qu'en plus ça concerne YouTube, donc la fille qui fait tout à l'envers. J'ai décidé de faire des Wikivlogs une semaine sur deux et non plus chaque semaine. Enfin non plus chaque semaine, ça fait longtemps que je réussissais pas à tenir de toute façon la cadence une fois par semaine. Donc là c'est juste que c'est posé, c'est une semaine sur deux vous aurez un Wikivlog le dimanche, une semaine sur deux vous aurez autre chose. Donc ça pourrait être une face cam, ça peut être une routine, ça peut être en fonction de ce qui s'est fait. Ça peut être aussi un Wikivlog en vrai de vrai si c'était une semaine particulière et que il y avait des choses à filmer, je me dirais bon vas-y. Ça peut être un vlog sur un jour, sur deux jours, enfin en tout cas un autre contenu que le weekly vlog une semaine sur deux. Pourquoi? Parce que c'est dur le weekly vlog, c'est très dur. Et c'est non pas parce que j'assume pas la difficulté, je l'assume, mais le problème c'est que si ça je trouve que ça joue sur la qualité du weekly vlog, c'est dommage. Si ça me prend tellement de temps, regardez bien, c'est rare les personnes qui réussissent vraiment à faire des weekly vlogs constamment. Elles vont faire un weekly vlog comme ça, parce que c'est extrêmement de boulot. C'est incroyable, voilà. Insta, c'est des petits joueurs. TikTok, c'est des petits joueurs. Moi, je suis désolée, hein. Ha. Parce que je le dis ouvertement, parce qu'il n'y a aucun créateur de contenu qui est sur Insta ou sur TikTok qui va dire le contraire. Tu vois, ils le savent très bien. C'est un autre niveau de boulot. C'est un autre niveau. C'est sortir sa caméra tout le temps, c'est filmer, c'est monter du rush, du 8 heures de rush, du 7 heures de rush. C'est énormément de boulot. Donc, non pas que j'aime pas, parce que Dieu merci, j'adore faire du montage en plus de ça. J'adore filmer, j'adore ça. Mais c'est juste que c'est dommage parce que ça, je trouve que ça joue sur la qualité des weekly vlogs, ça joue sur le contenu que j'arrive à faire sur les autres plateformes, que je n'arrive donc pas à faire sur les autres plateformes. Enfin, genre j'ai aucun moment pour créer du contenu pour Insta, pour TikTok, j'ai aucun moment puisque je suis focus sur mes weekly vlogs. Donc pour ceux qui adorent ça, c'est génial. Et en plus, vous, les statistiques me prouvent que vous aimez tout aussi bien les autres vidéos en fait. Donc en fait, je pense que, et je l'ai dit sur Insta il y a déjà un ou deux mois, je l'avais dit quand même, que je me suis moi-même enfermée dans ça en me rendant pas compte que j'avais, enfin en oubliant que j'ai plein d'autres idées, que je m'épanouis dans plein d'autres idées. Et c'est ce qui s'est passé en décembre, c'était la preuve en fait que je pouvais faire les deux. Et donc je me suis dit une fois sur deux c'est impeccable, comme ça à chaque fois ça va être des bons weekly vlogs d'une heure bien rempli, où vraiment cette semaine là je me focus sur vous, tu vois, et la semaine d'après je me focus sur les autres plateformes. Vous avez une face cam, un autre contenu plus rafraîchissant, ça vous, tu vois, j'aime trop. Et ça a été comme une révélation. Je me dis mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt, même pour même mentalement ça me soulage d'un truc, tu vois. Et voilà, en fait travailler intelligemment, pas trop travailler mais travailler intelligemment. Et là je trouve que, dites-moi ce que vous en pensez hein,
je pense que ça peut être pas mal. Et après, si jamais j'ai réussi à prendre un pli incroyable qui fait que j'arrive à faire toutes les semaines, on fera ça, mais être sur Insta, TikTok et YouTube et de manière constante, c'est presque pas possible. Mais on va essayer comme ça. Et j'espère que ça va vous plaire, voilà. Donc voilà. Ça c'est fait. On se retrouve, enfin je conduis, j'essaie de réduire un peu le moment où je filme et je conduis. En ce moment, vous avez remarqué ? Vous avez remarqué. Je vais d'abord à la pharmacie. Vous vous rappelez le truc dont je vous ai parlé dans mon cou ? Et maintenant j'ai des petits boutons. Bonjour. Je viens parce que j'ai un petit souci au niveau du cou. J'ai fait une réaction un peu. Tournez-vous plutôt vers là. Voilà, okay. Là on va mieux. Ah, ok. Une réaction à quoi ? Alors, aucune idée. J'ai mis un col roulé. Depuis hier, justement, là maintenant j'ai juste des petits boutons. Mais qui n'étaient pas là avant. Donc, je me dis que oui, ça gratte. Vous allez prendre un anti-allergique. Vous prenez un anti-allergique et vous allez prendre une fleur sur quelques jours. D'accord. Et une pommade pour vous apaiser. D'accord. Ok. Ouais. Ok, d'accord, merci. Vous mettez de l'eau pour les peaux noires, c'est même pas la peine. Vous mettez du déguril quand ça vous fait bien. Donc, en fait, vous mettez du gras sur une peau qui est déjà prise. Ça sert à rien. En fait, ce qu'il vous faut, c'est de l'eau. Mais comme le déguril a été remboursé et que c'est mieux que rien. Sauf que mettez du gras sur une peau grasse. En plus, un produit qui vous noircit la peau. Donc, c'est pour les peaux noires. C'est exactement, ils sont intelligents, hein, c'est exactement les mêmes, vous confondez pas. Et la crème de douche ne mousse pas. D'accord. Première étape mondiale, la tissu, puisque je veux refaire ma tête de lit et acheter le tissu pour changer, parce que je veux un truc plus crème. Ben, je vais vous montrer un peu de toute façon. Hop. Ça en fait. Moi c'est trop rose. Et je veux un truc plus crème, donc j'ai mesuré mon lit et tout, et je vais acheter ce qu'il faut. En fait, ça va être un petit peu dur hein, de savoir ce qu'il faut prendre. En gros, c'est un truc lisse, c'est sûr, mais en fait, l'épaisseur, c'est une bonne question. Déjà, il y a la question de l'épaisseur, la question de la couleur. Ah, attends, pardon. Ouais, en gros, ça va pas être si simple que ça. Ah, j'adore cette couleur-là, celle-là aussi. J'ai l'impression que j'ai trouvé mon bonheur, celui-là. Il n'y en a pas beaucoup dessus. J'ai trop peur, j'espère qu'ils en ont d'autres, mais c'est vraiment assez épais. Et aussi la couleur crème, trop belle. Maintenant, je suis à Leroy Merlin pour prendre les pieds du lit parce que je veux surélever mon lit, tu vois, comme à l'hôtel. Vous voyez, les lits à l'hôtel, ils sont hauts comme ça. Et j'aime trop, et c'est ce truc-là que je veux. Vraiment, là, je suis en mode pimper mon lit, ok. Et des coussins aussi. Je veux faire un jeu de nude marron et tout. Mais comme par hasard, il n'y a pas de marron. Mais ils sont magnifiques. Donc, si vous cherchez des beaux coussins, Leroy Merlin, magnifique. Vous voyez, les couleurs, comment elles sont... Je trouve trop beau. Cette couleur, elle est magnifique. Même là, si vous êtes sur un thème vert, il y a le choix. Voilà. Là. Ça ressemble un peu à la tête de lui que je viens de prendre. Donc j'aime bien. Les pieds, j'avais déjà fait du repérage la semaine dernière, donc je sais que c'est ceux-là que je veux. C'est du 40 cm. 40 cm, c'est ça, hein ? Ouais, ça paraît énorme comme ça. Le pied. Vous vous rendez compte que ça, c'est un pied ? Enfin, en fait, c'est plutôt comme ça, attendez. Comme ça. Non, ça paraît énorme comme ça. Comme ça, t'es bien surélevé. Comme la princesse au bois dormant. J'ai trop hâte. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, je suis à la Défense. Je suis passée chez Apple récupérer mon ordi, enfin ! Quand je vous ai dit que là, cette année 2023... C'est
à une nouvelle vie, c'est une vie de changement, c'est une vie de faire les choses qui traînent depuis longtemps. J'ai enfin changé le clavier de mon ordinateur parce qu'il manquait un... Rappelez la touche S, elle avait un problème. Et sur les Mac, les derniers Mac, en fait, ils changent tout. C'est rattaché à la batterie ou je sais pas quoi, donc ils doivent tout changer. Donc ils ont tout changé, compris la petite, le petit rond là où tu fais, où tu mets ton doigt là, où on reconnaît l'empreinte pour déverrouiller. Donc ça, ils ont tout changé, trop bien. Et voilà. Donc là, je vais aller dîner. Et voilà quoi. Ouais. Donc, je disais que je vais juste dîner, je pense. Parce qu'aucune force de cuisiner, je me suis dit un petit jap. Ça, c'est pas trop calorique. Ah. Et voilà. Bon, let's go, de toute façon, rien après. Il fait noir, ça va me bloquer dans la voiture. Aller tout de suite essayer de retrouver tout ce qui est drap, coussin, etc. Parce que nous sommes vraiment dans une optique d'arrêter de repousser les choses. Donc là, j'ai dit que j'allais refaire mon lit, je vais refaire mon lit. Tu vois, dans ce vlog ne finit pas si on n'a pas refait le lit. Ok. On y va tout de suite, on achète juste ça, enfin, on espère trouver. Ensuite, on revient, on fait le lit. Ok. Voilà. Tout c'est une plémaine. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est mes boudoirs, enfin mes boudoirs, pardon, mes lunettes de la dernière fois. Vous vous rappelez les Céline? Au final, j'avais pas essayé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai attaché derrière, comme ça. Mais franchement, les boucles, elles tiennent grave bien. Elles ont grave tenu. Le Gotubi a fait l'affaire. Voilà, juste boire de l'eau et on est parti. Je vous fais un avant maintenant parce qu'il fait jour et que je pense que quand je reviendrai, le soleil se sera déjà couché vu comment le soleil se couche super tôt. Donc voici en gros à quoi ressemblait le lit pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Mais je vous l'avais déjà montré justement pour le nettoyer, je l'avais fait nettoyer par un pro et pourtant vous voyez ça laisse une tache. Enfin, en vrai c'est pas aussi flagrant qu'à la caméra là, ça sort archi foncé. Mais même en vrai ça se voit. En fait c'est... Ouais, c'est pas aussi flagrant, mais ça se voit. Voilà. Et donc, c'est très énervant, déjà, premièrement. Deuxièmement, je trouve que ça tire un peu trop sur le rose. Pareil, en vrai, ça a l'air plus beige, mais en vrai, ça tire sur le rose. Et du coup, c'est une couleur avec laquelle j'ai grave du mal à trouver des parures de lit, des housses de couette qui vont. Je sais pas, je trouve que ça va jamais bien. Bref, cette couleur m'agace, et en plus, je le trouve un peu bas. Voilà. Donc, il va être surélevé, vu qu'on a acheté des pieds. Là, je pense que je vais mettre un tableau. Voilà, ici, ah, je vous avais dit que j'avais fait un petit espace comme ça pour l'enfoncement. J'ai acheté un... Attends, vous vous en rappelez de toute façon. Et ici, il y a les manteaux et les vestes et tout. Donc, c'est trop pratique. Trop, trop bien. Puis, pour vous, voilà, pour que vous voyez. Et il est très grand, mais c'est un choix. Parce que c'est doux. Voilà, c'est vraiment doux. Rien de mieux qu'un énorme comme ça. Donc ça, je voulais absolument pas changer sur ça. C'est vraiment juste la tête de lit qu'on va changer, les pieds. Et voilà, donc, let's go. Voilà, et donc je vais pas
je vous ai mis n'importe comment. Là, vous êtes sur le canapé, donc c'est pour ça que vous êtes un petit peu bas. Je vais pas vous faire un vrai unboxing, puisqu'on va faire le lit tout de suite, sinon, voilà. J'ai juste pris deux bacs comme ça, chez Maison du Monde, pour les mettre au-dessus de l'armoire. Parce qu'il y a de la place, donc autant faire du rangement. Vous savez, un truc à mettre sur le lit, là, qu'on appelle ça. Comme un plaid, quoi. Ensuite, tout ce qui est oreiller, tout ça, c'est derrière vous. Housse de couette, tête d'oreiller pour changer un peu tout. Et ensuite, chez Maison du Monde, j'ai plein de petites choses. Enfin, des petits mugs. Et ce que je fais maintenant, c'est que quand j'achète un mug, j'en achète un seul, tu vois. En me disant, ça va. Il n'y en a qu'un, ça n'en a pas trop de place. C'est le compromis que j'ai trouvé pour arrêter parce que j'en ai trop et que voilà, j'en ai trop. Ok. Du coup, je vous montre comme ça. En rapide. Alors. Donc un verre. Ça se voit qu'il est beau comme ça. Regardez les détails et tout. Ça me donne de faire un petit cocktail. J'imagine un petit cocktail très orange rose. Avec là, un petit boule à l'ananas ou l'orange. Enfin. Un cocktail. C'est ça que j'ai ressenti quand je l'ai vu. Ensuite, un mug. Regardez. Ah, de près pour que vous puissiez voir les détails comme ça. Regardez. Je sais pas si. Tiens. Et la forme et tout, le fait que ce soit un peu comme ça. Voilà. Et le roi. Ah non, j'aime trop les détails. Magnifique. Ensuite, au suivant, je découvre en même temps que j'ai faim. Comme ça emballé. Ah, une bougie. Très très belle, très simple. Voilà, mais c'est vrai que j'essaie de. Prendre des couleurs un peu marronnées et tout nude. Voilà. Ensuite, un autre mug. Regardez. Regardez. Oh là là, les détails. Oh non. Trop fan. Parce que, en fait, j'ai l'impression de boire toujours mon café dans les mêmes. Donc, je vais le changer. Ah, ça. Alors, j'ai acheté ça dans le département vaisselle, Maison du Monde, mais c'est pas pour la vaisselle. C'est pour mettre tout ce qui est clés à l'entrée, en fait. Les clés, les petites monnaies, vous voyez, quand tu vides tes poches. Et en fait, j'aimais trop le fait que le sol là, ce soit crème. Donc, ça matche beaucoup, très, très bien mon canapé, etc. Enfin, le salon en général. Et en fait, le fait que ce soit foncé fait qu'on va plus voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, pour l'instant, c'est un plateau, mais le plateau, j'aime pas. J'ai l'impression qu'on voit trop tout le bordel, en vrai. Hein. Voilà. De toute façon, vous verrez. Je vous montrerai ce que ça donne. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, ce gros truc. Ah oui, un vase. Oh, regardez. Voilà. Quand je vous disais, j'essaie de, voilà, de partir un peu sur des teintes comme ça. Comme ça, ça change un peu du blanc, du crème. Et je peux changer en fonction de mes envies. Et il est vraiment trop beau. Donc, je crois que c'est tout. Après, le reste, ben, c'est pour le lit, comme je vous dis. Et voilà. Sinon, j'ai attaché mes cheveux un peu n'importe comment, là. Excusez-moi, j'ai même pas envie de boucles d'oreilles. Parce que parfois, dès que je rentre, j'enlève mes boucles d'oreilles. Et je les ai pas remises. Voilà. Et entre-temps, j'ai perdu ma pince. Du coup, j'en ai mis une autre. Et c'est en serpent comme ça. Elle est pas trop belle. She's cute, she's cute. Bon, au boulot, on va monter en haut, d'accord. On va s'y mettre parce qu'il faut démonter le lit. Enfin, je sais pas si vous réalisez le boulot que ça va être. Donc, on est parti sur plusieurs heures de boulot. Je dirais un petit 2-3 heures, je pense. Facile. Et la première étape, ça va être de faire le lit. On va complètement le dévisser en entier. Enlever la tête de lit. Derrière, c'est du bois. Donc ça devrait être facile avec un cutter. Et ensuite, je crois qu'il faut que je remette d'abord le nouveau tissu. Et ensuite, je recouse. Enfin, je recouse. N'importe quoi. Je revisse le lit. Je remonte le lit, en fait. Je pense que c'est ça. Je pense. On va faire ensemble. Je pense vous mettre. J'hésite. Vous mettre sur l'iPhone. En mode reculé, vous voyez, parce qu'en fait cet objectif il est tellement rapproché que j'ai l'impression que vous n'allez pas voir grand chose, quoique c'est pas si catastrophique, je m'attendais à pire. Moi je m'attendais à pire. Non, je pense que je vais vous mettre un trépied de ce côté là. Ouais, on va faire ça. Thank you.
some vacation time. You and your girlfriend too bad mind. Bad, bad, bad when you both combine. I don't know why you look so nice. Girl, you're not nice, you're rude. Want me to feel like I'm new. Want me to watch you do you. Don't care, you look so nice, but you're not nice, you're rude. Look what you're putting me through. I never do this to you. I need to hold a corner. And it's so wide. One time, I need to hold a corner. And it's no one. One time, I need to. Right now we're just taking time. All the things are on your mind. They want bad, bad, bad when I treat you right. I don't care how you look so nice. Crying at night, you're rude. Want me to feel like I'm new. Want me to watch you do. Don't care, you look so nice. Being not nice, you're rude. Look what you're putting. Time. I need to hold a corner in a slow wind. One time, beaucoup plus long prévu, mais le résultat. Est-ce que là vous comprenez là? Là vous comprenez là? Que ceci est mon lit. Il est archi haut, mais je sens que je vais m'habituer en 2 secondes et que je le trouve vraiment pas si haut que ça. Mais il est haut comme dans un hôtel, genre vraiment. Enfin regardez, vous voyez. Attendez pour que. J'espère que vous me voyez assez bien, hein, qu'il fait pas trop noir. Il fait un petit peu noir, mais c'est... Voilà. Pour m'asseoir. Ouais, c'est quand même comme ça. Il est aussi trop bien. Incroyable, je suis tellement contente. Le seul truc qui manque, ça va être d'acheter en fait à peu près 4 autres pieds pour mettre au milieu. Parce que là, en fait, maintenant, il rebondit un peu. Et donc, je préfère rajouter des trucs pour être sécure et tranquille en dessous au niveau des lattes. À peu près 4 autres pieds, mais je vais les acheter en bois parce que je vous avoue que celui-là est coûté cher, donc on va acheter en bois, c'est juste voilà, du surplus. Et, j'ai aussi, comme vous avez pu voir, changé la lampe qui est trop belle. Vous voyez comment elle est trop belle? Oh mon dieu, elle match parfaitement le petit vert et tout, voilà. Et ensuite, les 2 paniers que j'ai mis ici pour du rangement en plus encore. Donc il va rester ce petit espace là, faire une petite déco là. Là, j'ai envie de mettre un tableau. Et puis là, on a ça, et on a des petits talons et tout. Mais bon, à voir, parce que là, c'est vrai que ça fait très nu et tout. Je pense à mettre un gros tapis. Et ensuite, il faudra mettre une petite tablette, gérer les filles et tout, parce que c'est un petit peu catastrophique. Mais voilà quoi. Trop contente. Ah,
Ah, le travail paye. Et je suis tellement de bonne humeur que j'ai envie de vous faire un petit concours. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Vous savez déjà, des petits concours cachés, dissimulés pour les vrais, ceux qui regardent pour de vrai. Donc, ceux qui êtes, si vous êtes déjà à ce passage, purée, mes gouttières. Si vous êtes déjà à ce passage-là, c'est que vous regardez pour de vrai. Donc, petit concours pour gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner ? 150€ en bon d'achat sur le site de votre choix. Ça peut être Zara, ça peut être H&M, ça peut être 150€ sur PayPal directement si vous voulez avoir 150€. Vraiment comme vous voulez, c'est vraiment pour faire un petit plaisir, un petit cadeau. Parce que merci d'être toujours là, toujours aussi actif, présent, investi. Tiens, ce que je reprends. Tiens, il y a la communauté des autres et il y a celle-là. C'est pas la même. Donc, et du coup, comment on va faire un petit concours là ? Ah, des petits émojis verts pour rappeler le lit. Petits émojis verts. Non, des cœurs verts. Voilà, cœurs verts. Comme ça, on est sûr que c'est vous et personne d'autre. Donc, des cœurs verts. Pas trop, les gars. Faites, sinon, on se fait cramer et il y a des gens qui ne regardent pas les vlogs qui vont se dire « il y a un petit concours qui se passe » et ils vont savoir. Donc, vous mettez un commentaire comme d'habitude et à la fin, vous mettez un cœur vert ou deux cœurs verts. Et la gagnante sera annoncée dans le prochain vlog. Je vais les annoncer maintenant avec le nom et je vous montrerai le commentaire et tout parce qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte que je fais le tirage dans les commentaires et qui du coup me demandent « Oui, est-ce qu'il a déjà été fait ?» et tout. Donc je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog de la gagnante ou du gagnant qui gagnera 150€ dans l'enseigne de son choix, encore cadeau, comme il veut. Voilà, je suis trop contente. Et voilà. Je suis trop contente. Préparez-vous à être saoulée de ce lit, ok ? Saoulée. Dans les morning routines, dans les night routines, dans les tout routines, dans les routines, ok. Et sinon, de près, pour que vous puissiez voir, ça rend trop bien. Là, on est un peu, il fait un peu sombre, c'est dommage. Vous verrez mieux à la prochaine fois, dans la journée, tout. Mais c'est dur, ça prend tout. Ce matin, je me suis préparée parce qu'il fallait que je filme pour une story pour aller au bureau. Alors, ça allait les sièges de bureau, les ordi. Grosse matinée bureau, j'ai du montage à faire et tout. Et ensuite j'ai rendez-vous avec Soso. Je vais l'accompagner, elle doit acheter des cadeaux pour. Quelqu'un et tout, donc ouais, en gros, on va faire un peu de shopping et on va déjeuner ensemble, je pense. Non, je crois que j'ai rendez-vous à 4h30, donc je sais pas si elle aura déjà mangé. Peut-être qu'elle aura déjà mangé, je vais voir. Mais voilà, petit après-midi entre filles, tout ça, jusqu'au soir. Et ensuite, ce soir, je vais voir ce que je fais. You know? Donc voilà, en gros, le programme de la journée. Comme d'habitude, avec moi. J'ai le prix là. Tac, 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 tac. De ça. Ok. Et voilà. Aujourd'hui, on est sur un petit look un petit peu marronné, comme ça. Je vais prendre ma veste en cuir. Celle-ci. Et comme vous voyez, ce matin, j'ai remis. Impeccable. Ma petite V-pout. Et je dois mettre mes gouttières qui sont là. Bah, blague à part, il faut que je mette les sièges, comme vous voyez, toujours pas mis. En gros, ça donne ça. Là, ici, il y aura l'ordi portable pour l'instant et le gros là, voilà, qui mérite un bon petit nettoyage d'ailleurs, les traces de doigts, ouais, on va nettoyer ça. Mais voilà, et là, je vais monter les sièges, juste, il faut que je finisse un truc urgent. Hop.
Et il faut des petites. Il faut des mini poubelles en dessous là. Hein? Il faut des mini poubelles aussi là, parce qu'on va se lever à chaque fois pour aller mettre dans le. C'est pas possible. Il faut des pots à crayon aussi. Pots à crayon. Il faut aussi une petite liste là. Des petits manches. Bon. Je vais juste faire un petit boulot là. Ok. Un petit peu de montage. Beaucoup de mails. J'ai laissé ça un petit peu remonter. Et c'est ma phobie. Donc on va essayer de. Voilà. Des mails. Faire des papiers. On est un peu sur le côté juridique et tout. C'est ça le plus important. Mais ça va, c'est cool parce qu'au final, Soso elle a décalé le rendez-vous un petit peu plus tard. On est plus vers du 16h, tout ça, donc on aime bien. Ça m'arrange. Moi, j'adore quand les gens ils décalent les rendez-vous. Parce que ça m'arrange toujours. Donc au boulot et on se retrouve tout ça. Là. Je suis trop contente d'être là, enfin. Et on croise les doigts pour que ce soit comme ça au moins 3 par semaine, à peu près. Ce serait l'idéal. Ok. I liked you better on the first date. I should've said what's wrong in the first place. I don't, cause you always taking it the wrong way. You won't listen, you're too busy playing 2K. I always been down, but you still sleep. And even though I said it now, you should've been peeved. I feel it in my soul, yeah, it's so deep. So deep, you should know that about me. J'ai fini ce que j'avais à faire. On va construire notre petit que j'ai pris sur Amazon. Qui ça va, il n'est pas trop cher. Il y en a des très chers, je trouve ça très cher quand même, hein. Bon, tu me diras, c'est quand même un truc de confort, c'est comme un lit, quoi, c'est important. Mais des fois, c'est un peu abusé. Donc franchement, j'ai pris pas trop cher, je crois. Ça va. J'ai pris noir, comme je vous disais, j'ai envie de faire des accents noirs, contrairement à la maison. Pour que ça fasse plus sérieux, classe, tu vois, le noir, c'est ça. Voilà. Et j'ai pris les deux mêmes, comme ça. Symétrie. Parfait. Just turn down your avenue. I had to, but I'm mad at you. Yeah. You always say I got an attitude. Oh. Yeah. But that's you. You was acting rude. I had to ask you if you had a few. Cause you always say I got an attitude. Oh. Why you talking to me like you be like? Why you always wanna be right? Oh, I just need the time that you can't find. I just need to know that it's still mine. And the way that you can't say my name don't seem right. But I know when to go and to stop at the green light. Oh, I just turned down your avenue. I had to, but I'm mad at you. You always say I got an attitude, oh. Yeah, but that's you, you was acting rude. I had to ask you if you had a few. Cause you always say I got an attitude, oh. So I'm the one that's out of place. I'm the one that's in no way. I don't communicate. I'm so spoiled. So I'm the one that need a break. Like you ain't stay in my place. But you the one who came on late. Oh mon dieu! Ah! Ok. Ah, c'est bon. Je fais le deuxième déjà, je mets leur place et je vous montre. Donc, voici le résultat. Hop. Et celui-ci. Trop beau! Trop contente. Hop. Parfait. Bien content d'avoir pris du noir. Oui. Ça match. Là, il faut racheter un cadre. Non, c'est n'importe quoi. Hein. Un cadre noir.
Et du coup, ça va matcher avec l'ambiance, tu vois, du truc. Mais du coup, ça commence à prendre forme. Un petit peu. Donc, direction Vallée Village. Ça continue? Village Vallée? Moi-même, je sais pas. Je crois que c'est la première fois que je vais là. Ou la deuxième fois, je suis déjà allée, mais il y a très longtemps. Et c'est bien loin chez moi. Voilà. Mais apparemment, il y a plein de marques, des petits prix, des réductions et tout. Donc, why not? Voilà ce que ça va donner. Et oh my god, j'ai plus d'essence. Et voilà. Ok. On va mettre un petit peu de music là. Un petit peu ce. Et voilà. À celui qui croit. Ouh. Voilà, d'ailleurs, c'est Queen de Kanye. Queen Kanye dans la dernière vlog, tout le monde m'a demandé. Queen Kanye. Le titre, et sinon, de façon générale, si je me gérais les titres, c'est pas pour rien. J'ai trop peur des copyrights, que ce soit à l'écrit, dans la description, même dans les commentaires. Des fois, j'ai chaud, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que souvent vous me demandez les sons, vous me dites les minutes et je vous donne les sons, tu vois. Mais voilà, pour que vous compreniez pourquoi je donne jamais les titres, c'est pas parce que je veux pas donner les titres, c'est vraiment parce que j'ai peur qu'on m'attrape d'une façon ou d'une autre. L'esprit de haine qui te fait jalouse. J'aime ça when tu deviens un. Je suis jamais fidèle et pas tes copines. Faut que tu comprennes ce que j'aimerais avec. Je suis un balai, bébé. Fais tes valises, on va décoller. Tout est grand placé. Viens à mon pied. Ce soir, ça va. Pam pam pam. Sous les bras. Ce soir, c'est ram pam pam pam. Alors. Oui, ma vie. Ouais, je suis genre devant l'entrée. Non, même pas, je suis vraiment devant. Enfin, devant. Genre, je me suis garée pas loin, quoi. Là, ah bah tiens, j'arrive. Quand je suis arrivée devant à l'intérieur, là, je suis devant Lacoste. Ah, bah non, c'est là. Alors. Normalement. En plus, c'est Lacoste que je dois aller. Ah, ok, vas-y. Je te vois. Vas-y. Alléluia! Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Ok, okay. Le truc. Trop ouais, t'as vu? Bah, Lacoste m'a proposé. Oh, trop cute. Ah, c'est à Lacoste que tu vas. Oui. Comme vous le voyez, décoiffé, je brille, boule de disco, je suis dead,
je viens de faire pipi. C'est la craze. Mais nous sommes bien rentrés, bien à bord. C'était une bonne petite journée. Donc on rentre. Je sais pas si je vais loguer à la maison. Je vais pas me mentir. Je suis dead. Et... nous sommes vendredi. Mais nous sommes très tard. Ok, je me prépare pour sortir. Journée archi chargée, donc j'ai pas pu vlogger. Mais là, je me suis dit que j'allais donc vlogger cette petite préparation, cette petite sortie, etc. Je me suis déjà. Il y a des petits cheveux ici. Mon seul problème en ce moment, c'est mes teintes de fond de teint. Avec mon. D'ailleurs, je vous ai pas montré ce qu'elle m'a donné la pharmacienne à l'enfant. Ah, je vais vous montrer juste. Du coup, elle pense que c'est des allergies, donc elle m'a donné ça à prendre une fois par jour. Également ça pour les démangeaisons et tout. Parce que là, on est vraiment sur des petits boutons. Oui. Voilà. Donc, on n'avait absolument pas besoin de ça dans notre vie. Voilà. Et du coup, le fond de teint, mon fond de teint qui avant m'allait bien, comme vous avez pu le voir peut-être dans mes derniers vlogs et dans mes dernières vidéos de façon générale, bah en fait, comme je ne peux plus le descendre dans le cou, enfin j'essaye moins de le descendre dans le cou et qu'en plus, bah mon cou il est beaucoup plus foncé que d'habitude à cause de, bah, des taches pigmentaires qu'on essaie la réaction que j'ai faite, je ne sais même pas à quoi exactement. Et donc du coup, je me trouve avec deux teintes extraordinaires. Donc j'essaie de faire un mitimac avec mon fond de teint en plus de la poudre un peu plus foncé pour un peu... que ça match à ce niveau-là. En gros, on est dans une guerre. Ok, voilà. J'essaie de trouver une solution. Comme on peut. Ok. Voilà le petit glow que l'on aime. À la base, j'allais mettre juste mon Fenty. Qui fait un petit glow comme ça, mais je pense qu'il est en haut. Donc j'ai la peine. On va faire avec ça. En plus, ça sent trop bon. Avec mon parfum, ça va être incroyable. Voilà. Ok, bon, let's go. D'abord pour le make-up et les boucles, je ferai ça enfin. Parce que, comme vous voyez, vous vous rendez compte, enfin, c'est pas extraordinaire, mais ça, c'est. J'ai rien touché depuis mardi, du coup. Mardi ? Depuis mardi, vous voyez. Il reste une petite fin de boucle. Extraordinaire. Mais on va refaire, donc vraiment, ça va être rapide. I've been taking on all this baggage, adding on so much weight. Had me thinking that I was average when you really don't play. How you gonna throw it all away and say my love it was not the same? Yeah. How you gonna throw it away? Throw it away. Acting like this ain't mean nothing to you is your tongue. Acting like you numb, it gotta be gone. You're only about yourself. Wanna find somebody else, so why put up with this? Why did I even die? But you lied to me. You gotta be mental in the head. I've been taking on all this baggage, adding on so much weight. Had me thinking that I was average, and you really don't play. How you gonna grow it away? How you gonna sit in and think it was nothing? Ah! La peur de ma vie. Voilà. Les lèvres. Là, il est devenu rose, mais il était trop fort là-bas. Je finis juste de me coiffer et on se retrouve pour la tenue, le parfum, etc. J'ai fait 2-3 boucles vers le bas, donc la tenue en entier pour que vous la voyez, on est sur un petit corset comme ça. Le cargo, attendez, je vais mettre. Vous voyez mieux là. Le cargo pants que j'ai pris donc chez Zara, comme ça. Au final, je trouve, j'avais peur parce que vous savez que c'est pas trop mon style à la base. Je suis très jupe, robe, voilà. J'aime plutôt pas mal.
et que j'ai mise avec. En fait, j'ai pas de bottines. Enfin, j'en ai, mais le talon. Vous savez, le petit bout là, il est abîmé. Donc, flemme de mettre celle-là. D'ailleurs, il faut que j'aille les emmener chez le cordonnier en parlant de ça. Donc, du coup, j'avais que des cuissardes. Mes cuissardes qui matchaient. Parce qu'il fallait un bout pointu et qu'elles soient talon aiguille. Ouais. Donc, en fait, ça matchait grave bien. Celle-ci. Mais au final, c'est des caches comme ça. Et du coup, ça fait. Du coup, ça match. Ça, bien. Ça. Je vais mettre avec mon manteau noir à fourrure. Vous vous rappelez, celui de la dernière fois. Comme ça. Voilà, pour un full look noir. Avec mon Lady Diar. Ça, on est sur vraiment un look très. Mi très féminin, mi pas très féminin. Avec le cargo, you know. Ou la bête. Donc il faut d'abord que je finisse le travail. Enfin, faut surtout que je mette mes boucles d'oreilles. Je les ai achetées donc chez Zara aussi tout hier. J'ai prise. Oh, elles sont déjà cassées. Elles sont déjà cassées. Je suis dégoûtée. Je sais pas si je vais les reprendre. Après, en vrai, avec de la colle forte, ça peut le faire. En fait, c'est le petit bout qui s'est cassé. Le petit bout comme ça là. Rien. Ça là. Ça aurait été trop joli, c'est écrit love en fait. Moi, ça c'est à mettre avec un chignon, vous voyez. Ouais. Eh ben, on va finir avec des créoles. Et en parfum, je vais mettre l'interdit de chez Givenchy. Hop. Que je vais mélanger. Je fais pas souvent de mélange, c'est pas trop mon délire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mes parfums sont assez extraordinaires de même, c'est pas besoin de mélange. Mais c'est vrai que Givenchy, il est très. Il a un petit côté masculin, tout petit peu. Donc j'ai ajouté un peu de sucré, un tout petit peu, avec Mademoiselle Rochas, celui-ci qui est incroyable, sans être trop sucré. Mais en gros, celui-là, je peux en mettre un tout petit peu. Mais en même temps, il fait très sorti, tu vois. Et je pense que les deux ensemble. Ouais. Yes. It's giving. It's gay. Donc, ah mais là j'ai plus de batterie. On s'est dit à tout à l'heure. Enfin, on se retrouve là-bas. Attends, les Caraïbes, c'est vraiment sûr d'actualité ou pas? Oui, je pense que c'est sûr. Moi, j'ai dit, moi, en fait, si je vais là, je vais bouger aux Caraïbes. J'avoue, c'est sûr en plus. Hein. Ah, c'est chaud, hein? C'est le haut niveau. Tu voulais me comparer aux autres. Mais moi, c'est grave de me comparer aux autres quand même. Quoi? C'est grave de me comparer aux autres. Non, c'est pas que tu veux. Ouais, c'est grave. Hi guys, donc nous sommes le lendemain.
Ah oui, donc aujourd'hui, grosse journée ménage qui fut malheureusement interrompue par un mal de ventre extraordinaire. Je suis allée au bureau, je me suis dit, bon, autant, vu que t'as mal au ventre et que tu vas rester dans la même position, autant te poser, faire du montage, essayer de prendre de l'avance, histoire d'arrêter de poster des weekly vlogs super tard. Ça, c'est aussi une de mes résolutions. Je suis quand même super contente, parce que mine de rien, les choses avancent, tu vois. Normalement la semaine prochaine donc je suis sur une semaine création de contenu mais court pour les autres plateformes et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous verrez, normalement ce sera de nouveaux décors, ce sera une bonne productivité parce que j'ai plein d'idées et que vraiment je me suis fait un petit programme là qui va pas être trop mal si j'arrive à le respecter. Donc plutôt cool, toujours dans une recherche d'amélioration de mon organisation. Et pour MBP, en parlant d'organisation, ça avance grave bien, donc c'est cool. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, petite soirée jeu pour se changer les idées. Donc on est sur un look gris. J'avais déjà fait un peu ce combo là. Enfin, à la base, j'avais acheté ça d'ailleurs pour que ça aille ensemble. Donc voilà. Et je vais mettre juste mes petites bottines. Et je vais juste avant partir reprendre un médicament parce que ce que j'ai pris que la pharmacienne m'a conseillé, c'est ça, la pharmacie tout à l'heure, comme ça. J'ai pas de remontée acide mais ouais je sens que c'est mon estomac. J'ai pas mal au ventre, j'ai vraiment mal à l'estomac. Donc je me demande si c'est pas un des cocktails d'hier, notamment la piña colada qui avait un goût assez étrange. C'est vrai que pendant que je la buvais je me disais mais c'est bizarre. Donc moi j'opte pour ça, tu vois. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu et qu'il vous aura donné envie, comme moi, de faire des choses que vous repoussez. La semaine prochaine, je ferai ma prise de sang pour voir si tout va bien au niveau des vitamines et tout. J'ai vraiment envoyé plein de choses dont je vous parle tout le temps dans mes vlogs que je repousse parce que j'avoue que je fais plein de choses, donc c'est comme si voilà. Voilà, je suis pas non plus une feignante, tu vois, mais c'est vraiment dans le sens où il y a toujours des petits trucs comme ça que t'as tendance à repousser qui sont sur ta liste et tu les repousses. Why? Et là, cette année, c'est l'année du changement. Cette semaine, j'ai aussi beaucoup avancé sur tout ce qui est paperasse, juridique et tout. Enfin voilà, c'est une nouvelle vie. Et si ce vlog vous a donné une petite motivation pour demain, lundi, vous y mettre, je l'espère, ok? J'espère que vous avez aimé ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc., etc. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping, was okay, so what? Someone hits the block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's the number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell the shit is.